Salut les mecs, je poste ça là directement avant que la vidéo commence. Si celle-ci atteint 1200 pouces bleus, je vous sors mercredi à 18h34 le test du scooter de l'abonné. Bon, petite vidéo le jour de la rentrée d'ailleurs, bonne rentrée à tous. 1200 pouces bleus et mercredi, vous avez une vidéo du test du scooter. Et ouais les mecs, je suis déjà de retour. J'interviens quelques secondes avant que la vidéo commence pour vous expliquer, pour que vous la compreniez bien, pourquoi il y a deux petites vidéos. En fait c'est tout simple, je devais faire une vidéo moto. Du coup qu'est-ce que j'ai fait, j'avais plus d'essence, j'allais à la pompe. J'étais en train de filmer, il m'arrive une grosse galère. Du coup, boum, je peux pas finir la vidéo. Mais ma grosse galère, je vous l'ai mis quand même dans cette vidéo. Du coup ça m'avait fait une petite vidéo. Et le lendemain je devais rouler avec un abonné, faire une balade et la filmer. Du coup je me suis dit, tu sais quoi, comme ça va pas être super long la balade, on va coller les deux. Du coup ça vous fait un petit peu de galère à la pompe, petit motovlog, en plus il faisait super beau. Et la balade avec l'abonné où il drachait, masse pluie, on en a pris plein la tête. C'était horrible mais bon c'était quand même cool. Dites-moi des petits conseils pour essayer d'améliorer ce genre de petites vidéos avec les abonnés. Ouais, laisse le passer un peu plus devant, mets plus ta caméra comme ça, essaye de mettre une deuxième GoPro, essaye de faire ce genre de choses, voilà, bref. En tout cas j'espère que vous avez mis tous le petit pouce bleu pour que je vous publie le test du scooter mercredi à 18h34. Vas-y, un jour de rentrée, ça me ferait plaisir de vous poster une petite vidéo. En tout cas, je vous attends nombreux dans les commentaires pour voir si ça vous a plu. Le petit pouce bleu, venez me suivre sur Instagram pour ceux qui veulent rouler, c'est simple. Vous prenez Seclin dans le nord de la France, hop, 30 km autour. Si t'es là-dedans, tu m'envoies un DM, ou même si t'es plus loin mais que toi tu veux te déplacer pour venir, tu m'envoies un petit DM sur mon Instagram, voilà, juste ici. Tu me dis, ouais Léo, je roule en tatatin, je suis de tintin, j'aimerais bien faire une petite vidéo. Hop, on peut reprendre plein d'abonnés, on fait des grosses sorties et tout, ça va lever, ça va cabrer en Y mon pote. Bref, je vous prends pas plus de votre temps. Bonne vidéo les mecs, c'était Léo, on se retrouve en fin de vidéo parce que j'ai encore quelque chose à vous dire. Ciao. Faut, il pleut de fou hein. Eh, je suis trempé. C'est horrible. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, on fait une vidéo avec un abo. Il est en... Je sais pas, il a quoi comme... Je crois que c'est un naked. Il a un naked blanc, là, vous le voyez dans mon rétro. Bon, en vrai, on n'a pas de chance hein, pour le temps. Mais avant la balade, je vous laisse sur mes petites aventures qui s'est passées hier à la station essence. Vous allez rigoler. Et après, je vous reprends pour la balade. Et dans une prochaine vidéo, on ira tester son scoot. Allez, sur ce les mecs, bonne vidéo. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Va peut-être falloir que j'arrête de bombarder parce que j'ai quand même plus d'essence quoi. Il est midi, hier j'ai pris la bécane, je suis rentré de vacances. Et attends, parce que ici tu vois c'est complexe sa mère comme virage, ils arrivent comme des dingues. Hop, pleine poignée de gaz. Et du coup j'ai plus d'essence, regardez, j'ai mon truc de réserve. Mais vraiment j'ai plus rien, genre il doit me rester 30 centilitres, genre une canette de coca en version essence. J'ai rien, mais vraiment. Mais ça va, genre la pompe en mode elle est pas loin. Donc croisez les doigts avec moi dans les commentaires pour savoir si je vais tenir. Normalement là j'en aurai assez. En vrai faut espérer hein, parce que si je tombe en panne, bah la flemme de pousser un peu, tu vois, il est midi. C'est pas que je viens de me réveiller, mais un peu quand même. Donc s'il te plaît, tiens au moins jusqu'à la pompe. Et là on va remettre un vrai plein. N'hésitez hein. Pas, petit five to the top, petit pouce bleu. Un abonnement, on est bientôt 40 000. Ça tu vois, ça c'est incroyable ça. Regardez, il clignote hein. Là ça veut dire qu'il n'y a plus rien et qu'il faut y aller là. Oh, pas mal. C'est quoi ça, range? Ça tu vois, je trouve c'est classe, c'est beau. Et j'en ai conduit un, ça en plus. Enfin, c'est pas exactement pareil, mais. J'ai le père d'un pote qui m'a laissé conduire leur voiture. Et bah, c'était un truc comme ça, mais je crois que c'était un Discovery ou je sais pas quoi. C'est bon, sauvé, oui. Attends. Est-ce qu'il y a un endroit spécial? Carte. Ah là là. Hop, il y a quelqu'un de l'autre côté. Parfait. Oh, l'autre il a mis 100 balles. Alors, moi je prends quoi? Je prends du 98. Excellium, parce que nous on fait pas les choses à moitié ici. Et ouais, t'as vu deux choses en même temps. Je prends la carte. Alors. Ah merde, insérer la carte. Wow, faut me faire un tuto moi. Attends, on va bien se rapprocher pour dire de pas en foutre partout. Veuillez décrocher. Ok, et là on peut servir. Là. Attends, change, on fout partout. Et voilà. Attends, on va bien se rapprocher pour dire de pas en foutre partout. Et voilà. Oh, je suis vraiment merde. Vas-y, on va mettre 5 litres. Oh, mais je suis... Y a pas des serviettes.
Oh. Oh, elle est où mes béquilles? Ah, je l'ai déjà. Voilà pourquoi j'aime pas ces pompes là. Je vous l'ai dit, c'est nul. Je vais prendre feu, tu vas voir. Bon bah là je vais rentrer chez moi le plus vite possible et je vais aller nettoyer mes conneries hein. Eh mais voilà pourquoi j'aime pas ces pompes. Je vous l'ai dit, c'est horrible, j'en ai foutu partout. Voilà, heureusement. Là tu payes moins cher l'essence mais si t'en fous partout ça partait bien. Mais ça peut jamais bien aller avec moi, tu vois. Faut tout le temps qu'il y ait une petite couille. S'il n'y a pas une petite couille, c'est que c'est pas normal. Ouah, il pleut de fou. Donc j'espère que vous avez vu mes petites galères. Ah, vous avez vu à la pompe, j'ai pas été très fort hein. Eh, je suis habillé en jean. En plus j'ai mis le manteau été, les gants été et tout, c'est une galère. Regardez le matin, il est beau son scoot, en vrai il est frais hein. Je sais pas c'est un combien en année mais il est frais de fou. Ouah, je vois rien. Ouah, ma visière elle est claquée mais vas-y pour moi j'aurai pas de goutte. En vrai il est propre son scoot hein. Je sais pas c'est en quelle année, je lui demanderai après, on fera le test de toute façon. Et du coup les mecs, pour ceux qui veulent rouler avec moi, vous venez sur Instagram, vous me le dites. Son casque il tue. Eh, faut pas que j'oublie de vous nettoyer. Oh, je vais essayer de vous nettoyer assez régulièrement. Je crois que c'est sur ça que j'ai passé mon BSR. Je crois que c'est sur ça. Ouais, et je vois rien dans la visière. Ouais, il pleut de fou. Ouais, il pleut de malade. Vas-y, tu sais quoi, on va essayer de... Ah, essaye de le rattraper. Il pleut de malade. Moi, je dérape de l'arrière, frère. Oh, je dérape de fou, il pleut de fou. Ah, j'ai plus de yeux. Ça se dit pas, ça, j'ai plus de yeux. En vrai, ça fait plaisir de rouler qu'un abo. Je sais pas combien il m'a dit qu'il montait son scoot, mais on va pas trop faire les cons parce que vu l'état de la route là, ça serait con quand même de glisser. Hein. Et en tout cas, la route elle est dégueulasse. C'est dingue, c'est dégueulasse. Je vois strictement rien dans mon casque. Là, on va aller se poser dans un endroit où il n'y a pas de voiture et tout. On va faire une vidéo où je vais tester son scoot. Parce que si je me souviens bien, je crois que j'ai testé ça comme scoot sur pour mon BSR. Ouah, je vois strictement rien. Ouah, c'est... Hop, le petit stop. Eh, il pleut de fou. C'est horrible. Eh, j'ai pas de visière en plus, donc ça claque. Ah ouais. Là, on va là-bas. Attends, là, c'est chaud en vrai. Wesh. Oh, je glisse. C'est horrible. Ouais, mais en vrai, je glisse de malade, faut que je fasse gaffe. Surtout ça, ça glisse de fou. Ouais, laisse tomber. Eh, c'est horrible, hein. Mais ouais. Eh, je glisse de... Eh, faut qu'on fasse gaffe, en vrai, c'est sur ça que ça glisse le plus. Fouah. En tout cas les mecs, ça fait plaisir de pas rouler tout seul. C'est bien. Oh, par contre ça, oh ça va casser les couilles. Oh, ça va falloir y aller mollo. Oh là 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 là. Parce que vu comment ça glisse. Oh là là, par contre là les mecs, on peut vraiment pas bombarder parce que vu comment il pleut, c'est grave risqué. C'est au taquet risqué. Wow wow wow. Alors par contre ça, ça va être une patinoire. Ça va être clairement une patinoire. Ouah. Ouah, il pleut de fou hein. Eh, je suis trempé. C'est horrible. Bah en vrai on va aller dans la zone tout au bout, y'a personne hein. En vrai il est stylé son scoot hein. Moi si je prenais pas une moto, je prenais un scoot comme ça, genre un stunt. Je crois que ça c'est un naked si je dis pas de conneries. En vrai il est méga stylé hein.
Dites-moi si vous kiffez un peu les balades comme ça avec les abos. Ouah ! Il pleut trop, c'est horrible. Je vous jure que c'est horrible. Mais oh les yeux. Oh. Heureusement que je suis avec un mec hein, pour rouler hein, parce que sinon tu roules tout seul dans la flotte comme ça, tu déprimes. Et c'est pour vous qu'on fait ça, c'est pour une vidéo hein. Donc là les mecs, s'il n'y a pas pouce bleu, ça va pas le faire. Et en vrai, n'hésitez pas à aller voir la vidéo test, elle sera pas encore sortie. Elle sortira dans pas longtemps. Après celle-là, normalement celle-là elle sort dimanche et le test du scout il sortira mercredi. Après il bombarde ton scout hein. Ça c'est bien parce que t'as que la poignée pour accélérer, c'est carré. Par contre là faut qu'on aille à droite. Attends. Eh hey, il m'a pas entendu. Droite. C'est bon, il m'a entendu carré. Oh ouais, regardez comment ça mouille. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo avec un abonné, plus petite galère à la station essence. C'était Léo. On se retrouve pour la prochaine vidéo, le test du booster. Ciao les mecs. Et ouais, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, tu me le dis en commentaire. T'hésites pas à mettre un petit pouce bleu. En tout cas les mecs, j'espère vraiment vous satisfaire au niveau des vidéos en ce moment. Je vais essayer d'en faire deux par semaine. Bon, c'est la rentrée des classes, la reprise des cours. Mais bref, des petits motovlogs deux par semaine. Et bientôt, on espère, on prie fort pour faire des vidéos en motocross. Voilà, en tout cas, si vous voulez voir des choses spécifiques sur ma chaîne, mettez-le en commentaire. Tu me dis en mode, ouais Léo, j'aimerais bien voir ça sur ta chaîne. Ouais Léo, j'aimerais bien voir ça, ça serait cool aussi. N'hésite pas à faire ce genre de vidéos. Essaye plus de faire comme ça, tu vois. Des conseils, des idées de vidéos. Et moi, je fais ça et je vous bombarde les vidéos. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous de me suivre. L'abonnement, comme d'hab, on se retrouve mercredi, je l'espère, s'il y a les 1200 pouces bleus, pour le test du scooter de l'abonné. Ciao.